Bonjour. Alors, coucou Cécilette, salut Mike. Coucou à tout le monde. On espère que vous allez bien. On a la tête coupée, non? Pourquoi? Ah oui. Là. Donc, on espère que vous allez bien ce vendredi pour parler de l'étiquetage alimentaire. Oui, madame. Nous sommes là, présents, en ce jour saint, comme vous pouvez le voir. On dirait un ange. Eh oui, mais qu'il y en ait un, hein? Je sais, merci. Un peu trop tombé du ciel, n'est-ce pas? Je vous parlerai comme ça toute la soirée. Ça va être très long. C'est déjà beaucoup trop long. Donc, on espère que vous allez bien en ce moment. Mais crache-le ton coup, mon braco, comme ça, c'est bon. Comme ça, il est bon. Donc, on espère que vous avez passé un bon vendredi, une bonne semaine. Bonjour, coucou Stéphanie. Stéphanie. Et nous allons parler donc étiquetage alimentaire en compagnie, bien sûr, de Madame Colchiro, Annick, patiente éducatrice, présidente des associations et préparatrice mentale. Et de Laure Cabanero, enseignante en activité physique adaptée et un master du management du tourisme sportif, un service civique à l'association Le Pôle du Partage et un stage à l'espace objectif santé. D'autres questions? Oh, les palmarès, toujours, au lieu de présenter la personne, de... prénom, nom, c'est bon? Il y a Maïti s'éclate. Oh, il s'éclate, il s'éclate. Il régale. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, ce n'est pas grave, ce n'était pas du tout intéressant. Nous allons discuter de l'éthique à tes souhaits. Ah, tu as tes souhaits de Mike François. Mike du golf. Ah, Mike du golf. Oui, le kiné de Lunel que tu as Ah, rencontré. ouais. Ah. Tu t'en souviens Oui, vraiment? Donc, nous sommes en compagnie de Françoise et de Cécile. Cécile. Coucou. Et on dit bonjour à Olivier Jourdain. Bonjour Olivier. Donc, c'est parti pour discuter de l'étiquetage alimentaire. Et nous commençons bien. Ah ouais. C'est pas grave, Mike, t'inquiète. On te remontrera Françoise demain matin. Oui. Donc, le décret français 93 130 du 27-09-93 et son arrêté d'application du 03-12-93, cela remonte, commence à remonter, traduisant une directive européenne fixe les règles de l'étiquetage nutritionnel. Donc, il y a quand même des règles. Les informations relatives à la valeur énergétique et au contenu en nutriments sont facultatives en France, comme en Europe, mais deviennent de plus en plus obligatoires si une allégation nutritionnelle figure sur l'étiquetage, la publicité ou la présentation du produit. Et l'étiquetage nutritionnel concerne les informations relatives à la valeur énergétique et aux nutriments suivants, protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, sodium, vitamines et sels minéraux. Donc, non, la valeur énergétique, c'est combien de calories représente le plat ou ce que vous allez acheter. En fait, sur les étiquettes, bien souvent, il y a marqué le nombre de calories qui est en calories et il y a marqué NRJ et le total, en fait. Ah oui. Sur, après, il y a des petits tableaux aussi où vous Oui. retrouvez les calories, justement, et la valeur pour tant de grammes, Pour 100 grammes. pour 100 Oui, c'est grammes. ça. Et après, des fois, c'est un kilojoule. Oui, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Et c'est quoi la différence entre calories et kilojoules? Alors, c'est une C'est conversion, mais une... Ouais, une règle d'accord, de 3. voilà. Mais je crois que Oh, excusez-moi, c'est une règle de 3. Une calorie, c'est ça fait 1000 combien? kilojoules ou le Voilà, moi, je contraire. comprends Oui, rien là-dedans. ouais. Mais c'est la même Oui. chose, sauf qu'on parle les kilojoules ou kilocalories. Ou kilocalories. Mais en principe, Oui. la plupart du temps, on parle de Les calories. calories, c'est Et si vous ça. voulez, vous voulez comparer à un grammage ou quelque chose comme ça, il y a des... me suis coupé la chic, excusez-moi. Il y a des convecteurs sur Internet qui le font et vous pouvez... Des convecteurs, Converteurs. convertisseurs. Bon, convertisseur, j'avais dit qu'il fallait que je Des mime ce converteurs, soir. c'est des chauffages. Et oui, c'est ça qui me semblait. Bon, c'est pas grave. Donc, des convertisseurs sur Internet, l'outil Google, mon ami. Et vous pouvez taper dedans, ben, justement, convertisseur en grammes, on va dire kilojoules en grammes, et ça vous le met. C'est C'est cela, cela, oui. oui.
Excusez-moi, je bug. Donc ça, c'est bien pratique par contre, parce que ben, du coup, quand on n'y comprend pas grand-chose et qu'on a l'habitude de travailler qu'en grammes ou autre, on peut avoir en fait justement la possibilité de tout changer. Et voilà, il fait froid. Non, il ne fait pas froid, Mike. Une calorie, c'est 4,185 joules. Mais en principe, sur les étiquetages, on parle en calories. Oui, c'est ça. Après, ils te mettent l'équivalent, mais c'est calories qu'on a. Oui, et puis en plus de ça, les calories qui est marqué, c'est à titre informatif, parce que vous n'allez pas regarder exactement combien de calories. Donc, c'est surtout la composition, moi, je trouve intéressante à regarder, c'est ce qu'il y a comme protéines, qu'il y a comme nutriments, ouais. En fait. Les lipides et donc la protéine, les glucides, c'est tout ce qui est féculent et sucre lent. Et lipides, alors on le verra après, mais vous avez souvent glucides dont sucre. Ça, c'est le sucre rapide et les lipides, c'est les graisses. Donc, c'est les sucres lents. Non, les sucres rapides. Les lipides, c'est les graisses. Non, mais les sucres. Ah, mais tu l'as dit, sucre rapide. Ah oui, c'est les sucres. Je suis désolée, je me reconnecte. C'est les sucres rapides. Quand il y a marqué dans le sucre, ça, c'est les sucres rapides. C'est ça qu'il faut surveiller surtout. Comment évaluer ce que ça représente? Il parle de quantité pour un jour de calories. Oui. Mais ouais. Parce qu'en fait, c'est la valeur nutritionnelle journalière. Mais en fait, moi, je dis qu'il ne faut pas forcément regarder les calories parce qu'en fait, chacun, en fonction de son métabolisme de base et en fonction des calculs, ça, c'est une diététicienne qui peut vous établir ça. Mais en fait, nous, on ne le sait pas parce que chaque personne a un besoin énergétique différent en fonction de l'activité physique qu'il a, en fonction de son métabolisme de base. C'est pour ça que ce sont que des chiffres pas trop… Comment on appelle ça? C'est des indices. Des indices, voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'une diététicienne, avec l'activité que vous faites, tata, le calcul, ou un diététicien le calcule autrement, et ce qui fait que les apports, vous pouvez plus savoir ce que vous devez apporter à votre corps par ce calcul-là que par l'indice utilisé pour tout le monde, en fait. Et en plus, si on regarde les calories, on pourrait se dire, je vous donne un exemple, dans un plat cuisiné où il y a les protéines, les glucides et les lipides qu'il faut, vous avez, mettons, 400 calories. Et si vous regardez sur un paquet de chips, sur un paquet de cacahuètes, pour 100 grammes, vous avez 400 calories. C'est ça. Et vous voyez bien que dans le paquet de chips ou de cacahuètes, même s'il y a le même nombre de calories, en fait, vous n'êtes pas sur un équilibre nutritionnel parce que vous allez trouver beaucoup de lipides, de sel. Et en fait, au niveau calorique, l'apport calorique, c'est comme l'alcool, c'est beaucoup de sucre et c'est beaucoup de calories, mais nutritivement, ça amène rien en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment vos besoins, surtout en nutriments en fait. Ben, ce qui est intéressant, surtout quand on a des pathologies, puisque souvent on peut avoir des soucis justement au niveau des bilans sanguins et de certains nutriments qui pourraient nous manquer. Qui pourraient nous manquer, puisque après les analyses sont influencées par ça aussi, par ce que l'on mange. Et donc, du coup, pour savoir à peu près si on mange bien et on apporte vraiment ce qui nous manque, ben, c'est pas par ces indices avec les chiffres, en fait. C'est plutôt par ce qu'il y a à l'intérieur qu'on va savoir si oui ou non on répond aux besoins dans notre corps. Parce que, voilà, il y a un examen qui est fait pour savoir votre métabolisme de base et le nombre de calories que vous avez besoin au repos. C'est la calorimétrie, mais qui est faite à milieu hospitalier et qui a un examen complet, en fait. Donc, après, on ne peut pas savoir vraiment par rapport aux calories que les personnes ont besoin par jour. Avant, sur les régimes restrictifs, on mettait les personnes à 600, 700 calories. Mais on s'aperçoit que ce n'était pas suffisant. Et en fait, c'est pour ça que c'était sur du restrictif. On part sur une femme, en principe, on part sur 1800 calories. Et chez un homme, on part sur 2400 calories. Voilà, entre 2200 et 2400 calories. Et ça, c'est pour les personnes lambda, en fait. C'est une fourchette.
Mais après, vraiment, celui qui peut vous faire ça, c'est déjà en faisant le métabolisme de base sur une impédance-métrie et en calculant votre dépense énergétique, en fait. Donc, ce qui est important de regarder, c'est surtout sur la lecture des étiquettes, c'est la composition nutritive de l'aliment. Mais c'est là qu'on comprend qu'en fait, on ne peut pas faire ça tout seul et que quand on se fait des rééquilibrages alimentaires tout seul, ben, peut-être qu'on peut être aussi à côté parce que ben, si on fait par rapport à les « on dit » et les « je sais parce qu'on m'a dit », eh ben, le problème, c'est qu'on peut, vite tomber dans du manque ou pas un apport suffisant, ce qui fait que oui, vous allez peut-être perdre du poids rapidement, mais en fait, ça ne tiendra pas du tout sur la durée parce que forcément, vous allez repartir en mangeant normalement et après, ben, vous reprenez, voire bien. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, quand on parle de pleine conscience, maintenant, quand on parle de faim, de satiété et manger et se faire plaisir, en fait, on est obligé quand même de regarder les apports nutritionnels qu'on s'apporte au sein d'un repas. Parce que si vous avez envie de manger, vous faire plaisir et que vous mangez que des Kinder Bueno, ben vous n'allez pas être sur les bons apports nutritionnels, en fait. Et automatiquement, après, vous allez avoir des carences en protéines, des carences en glucides et vous n'avez pas tous les sels minéraux et les vitamines qui ne seront pas là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger de manière variée. C'est se faire plaisir, mais en mangeant de tout. Voilà, c'est ça. Donc, deux niveaux d'indication nutritionnelle sont possibles, le minimum étant le groupe 1. Voici tout ce que vous pouvez trouver sur une étiquette. Donc, les mentions obligatoires. La dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité nette, la date de consommation, le lot de fabrication, les coordonnées du responsable, la mention, entre parenthèses, frais. C'est pour ça qu'en fait, les lots de fabrication, quand des fois vous avez vu qu'on rappelle certains lots parce qu'il y a une problématique, ça permet la traçabilité du produit en fait. C'est ça. Et d'éviter les gros soucis, et notamment comme quand il y a eu la viande contaminée. Oui. Mais ils ont pu appeler des personnes, justement, et éviter d'autres problématiques. Ils ont rappelé les pizzas. Il y a eu un truc avec les pizzas. Les pizzas, ouais. Il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Produit, hein. Très souvent. Hein. Ouais. Donc, les mentions obligatoires dans certains cas. Cas. L'estampille vétérinaire ou marque de salubrité, le degré alcoolique, le lieu d'origine et le mode d'emploi, donc au conseil d'utilisation. Et les mentions facultatives, donc AOP, appellation d'origine contrôlée, label rouge, agriculture biologique, donc tout ce qui est à base de label, en fait, de labellisation et de preuve de qualité. C'est AOC, c'est pas AOP. Qu'est-ce que j'ai dit? AOP? AOC, c'est un C. Ça peut être les deux. Hein. Oui, mais sur les mentions facultatives, on est sur AOC. Ensuite, agriculture biologique, élevage biologique, certification de conformité, point vert, provenance montagne ou appellation montagne, code barre, l'étiquetage nutritionnel. Donc, tout ça, c'est facultatif. Mais les personnes en demandent de plus en plus, en fait, parce que ça rassure aussi. Oui. Pourquoi ? Voici une petite étiquette. Oui, donc là, on vous a pris l'exemple de lasagne. Ça. Ouais, tu peux juste me choper ma veste, s'il te plaît. Donc, on a pris l'exemple de lasagne. Et on retrouve tout ce qui est obligatoire, comme on vient de le dire, donc la liste des ingrédients qui est détaillée. Oui, et sachez que dans la liste des ingrédients, donc là, sur les lasagnes, vous avez concentré de tomates, semoule de blé dur, viande de bœuf, huile végétale, tomate pelée, œufs, carottes, emmental, lait, crémé en poudre, farine de blé, amidon, parmesan, sel, sucre, et épaisseur de goût, et estrie d'épices et d'aromates. Le premier sur la liste que vous avez trouvé, c'est ce que vous allez trouver en plus grande quantité dans le produit. Mais c'est ça que j'oublie à chaque fois. Tu me le redis à chaque fois, mais à chaque fois j'en suis estomacée, je ne m'en rappelle pas. Oui, donc là, vous allez trouver en premier dans le produit, en plus grande quantité, le concentré de tomates, la semoule de blé, et puis après, vient la viande. Et ensuite, il y a la dénomination de vente, donc lasagne à la bolognaise.
Et il y a ensuite donc, le à consommer de préférence avant le avec la date. La quantité nette aussi en grammes. Le mode d'emploi et les coordonnées du coup de la société responsable. Et le lieu, pardon, et les origines de fabrication. Oui. Et le code d'emballeur. Le code de l'emballeur. Ça, c'est pour retrouver... Les colis. Oui. Donc, la dénomination de vente, on en parle plus, je crois. Hein. Oui. Donc, ça, c'est un peu ce que vous retrouvez sur la lecture des étiquettes. Alors, il y en a plein qui disent, oui, non, mais moi, je ne vais pas passer mon temps. Mais si vous regardez, quand vous achetez des produits, vous les achetez toujours à peu près les mêmes, en fait. Donc, au départ, vous allez regarder sur les étiquettes et après, vous allez toujours acheter les mêmes produits de référence que vous avez. Alors, surtout là où il faut être vigilant, c'est quand il y a des nouveaux produits qui rentrent sur le marché ou des choses que vous voyez à la publicité, eh bien, avant de les acheter, regardez la composition et vous verrez si c'est un yaourt ou si c'est… Vas-y, vas-y. Perle de lait. Ou si c'est une perle de lait, donc, c'est plus de la matière grasse en fait. C'est quoi la perle de lait? C'est un fromage, c'est un yaourt. Mais gras? Ah oui. Plus gras que les autres? Ah oui, la c'est la crème fraîche. Ah ouais? Oui. C'est pour ça qu'il y en a qui, des fois, sur les chirurgies bariatriques ou les choses comme ça, il y en a qui te disent je mange des yaourts, mais sachez qu'une crème dessert, une danette au chocolat, c'est pas un yaourt en fait. Ah bah oui. Le yaourt qu'on parle, c'est le yaourt nature. Et après, tout ce qui est les veloutés, les yaourts aux fruits et tout ça, vous n'avez pas la composition d'un fruit et d'un produit laitier. Il y a beaucoup plus de sucre et on ne peut pas avoir un équivalent. En fait. C'est ça. C'est pareil pour les parents qui disent que leur enfant mange les fruits dans les yaourts aux fruits, justement. Ouais. Mais en fait, malheureusement, ils n'ont pas les apports qui sont nécessaires. Oui, il y a des fruits à l'intérieur. C'est tellement minime. Mais ouais. ça ne correspond pas. Voilà. Et les fruits en morceaux, c'est pareil. Ça ne suffit pas. Ouais. Ça ne fait pas la quantité d'un fruit et d'un laitage. Quoi. Bonsoir. Donc, la dénomination de vente. Donc, c'est la description du produit. Elle indique la nature de l'aliment emballé et le traitement subi par l'aliment. Donc, déshydraté, surgelé, fumé, stérilisé, etc., etc. Elle doit être la plus précise possible. Donc, exemple, haricots verts aussi extra-fin surgelé. C'est pour ça, comme vous disiez, il y avait des fois marqué frais, en fait. Sur les œufs, on le voit, élevé en plein air ou des choses comme ça. Donc, lait entier pasteurisé, la mention de la marque permet au fabricant de personnaliser son produit et de le protéger des contrefaçons. Cependant, elle n'est pas obligatoire en fait. Donc, en fait, c'est vraiment le nom du produit, mais pas forcément la marque. Oui. Ensuite, la liste des ingrédients. Donc, ce sont tous les composants qui entrent dans la fabrication du produit alimentaire, y compris les épices et les additifs. Lorsque la liste mentionne un ingrédient complexe, lui-même composé de plusieurs ingrédients, par exemple sauce béchamel, il faut ensuite, ensuite ajouter sa composition, sauf pour certains ingrédients complexes qui ont une dénomination réglementaire, donc comme la margarine ou le ketchup, lorsqu'il représente moins de 25% du produit fini. Oui, parce qu'après, ce n'est pas une obligation de détailler. De détailler, voilà. Et après, vous avez les colorants. Donc, vous avez trois chiffres. Les colorants sont classés entre E100 et E199. Les conservateurs, ils sont classés entre E200 et E299. Et les antioxygènes sont classés entre E300 et E399, en fait. Oui, donc c'est un classement, ça ne veut toujours pas, excusez-moi. À un moment donné, je vais éternuer, je pense que je vais réveiller tous les voisins. Non, mais il n'y en a pas de voisins. Ah, c'est vrai. Donc oui, c'est ces classements-là, en fait, qui sont intéressants aussi à retenir, puisque bon, vous savez, les conservateurs, ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Et vous les trouvez entre les E200 et E300, en fait, les conservateurs. Les colorants. Les colorants non plus. Et les colorants, en plus, c'est des trompeurs. Couillon, comme on dit. Vraiment. Parce que ça, c'est pareil. Il y avait eu un truc, là, je crois que c'était aux infos, un truc comme ça, où en fait, ils interrogeaient les personnes sur les fruits moches et les légumes moches, en fait. Les, comme ils disent.
Et en fait, la femme, elle dit, oui, non, mais moi, je prends les tomates bien rouges parce que c'est celles qui m'amènent le plus de choses bonnes, en fait, le plus de choses bonnes, d'énergie et de tout ça, sa composition. Et le type, il lui explique que non, en fait, que la couleur, elle n'a pas forcément de rapport, mais que c'était plus, enfin, qu'il pouvait avoir des colorants, des choses comme ça. Ah ben la femme, elle était perturbée après. Elle était perturbée. Et il y a certains produits, non seulement ils sont colorés, mais en plus ils sont aromatisés avec des arômes artificiels. Ouais. Ça, c'est vraiment. Oui. Les yaourts. Les yaourts. Oui. Ouais. Mais quand vous faites aromatiser à la vanille ou les choses comme ça. Oui, c'est ça, mais c'est artificiel. Et quand c'est vous faites, vrai. Vous regardez, vous faites votre coulis de tomates vous-même. Il n'a pas la même couleur que, ouais, que le coulis de tomates. Ni la même saveur. Hein. Ah oui. Et quand on parle de la couleur. Ah oui. Voilà. Et oui, mais le problème, c'est que justement, tout ça, là, les colorants, les conservateurs, les antioxydants, ça donne un goût en fait, particulier. Ouais, ouais. Qu'on s'y habitue parce que c'est la rapidité, c'est machin, c'est bidule, c'est chouette. Mm-hmm. Sauf que du coup, ben, on perd le goût de l'aliment. On en oublie le goût de l'aliment et c'est vrai que quand on vous met quelque chose de plus naturel, ben ça surprend en fait. C'est pas forcément que c'est pas bon, c'est juste que ça surprend oui, puisque c'est pas ça. Les habitudes comme on parlait l'autre jour avec les petits bouts de bébé et tout ça. Les gens connaissent pas le vrai aliment quoi. Ouais. C'est ça et c'est ce qu'on disait aussi que quand je parlais de ma nièce, chaque fois je prends cet exemple, mais en fait il y en a qui sont habitués à tout ce qui est que les produits industriels en fait. Et après quand tu leur donnes un produit frais, ben ils aiment pas en ils fait aiment parce pas. Que ah, oui, leur c'est ça. Leur palais et leur goût se sont habitués à ces produits-là, en fait. C'est ça. C'est surprenant, du coup. Oui. Donc, les additifs sont classés donc, par ordre, par catégorie, comme disait Annick, donc avec les colorants, les conservateurs et les antioxygènes. Et ensuite, la quantité nette. Donc, la quantité nette, elle indique la mesure de la partie consommable du produit, par exemple, le poids égoutté. Pour les conserves de fruits, elle est indiquée en grammes ou en litres ou en millilitres pour les liquides et pour les glaces. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire si elle est inférieure à 5 grammes ou à 20 grammes pour les confiseries, pardon. Oui, quand vous voyez des boîtes d'haricots que vous achetez des haricots verts et qu'il y a marqué 1 kilo, il y a marqué poids net égoutté, admettons, 600 grammes. Mmh, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est le contenu de la boîte de conserve avec l'eau et tout ça qui pèse 1 kilo. Mais après, la valeur de l'haricot vert, ce qui vous reste, vraiment dans l'assiette, c'est 600 grammes en fait. Oui. Qu'est-ce que c'est les antioxygènes ? Ce n'est pas antioxydant ? C'est la même chose. Ça se dit antioxygène. Ah, d'accord. C'est les E300. Mais c'est aussi, c'est la merde. Oui, bien sûr. Voilà. Conclusion. Ah, ouais, voilà. Mais ça, de toute façon. Ça met tout le monde d'accord. Oui. Donc, la date de consommation, donc elle indique la période pendant laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques sous la responsabilité du fabricant et fixée par arrêté pour certains produits, donc comme le lait, les œufs, certaines charcuteries. Donc, ça, c'est national. Après, c'est sur des produits particuliers, mais ce n'est pas sur la marque, c'est vraiment sur le produit même. Et donc, il y a deux types de dates de consommation. Oui. Il y a la date limite de consommation, donc la DLC. Donc, à consommer jusqu'au jour ou jusqu'au mois, elle apparaît sur les denrées périssables dont la consommation après la date indiquée représente un danger pour la santé. Après cette date, l'aliment ne peut plus être vendu. Pour les œufs, par exemple, la DLC est fixée à 28 jours après la ponte. Et pour voir si un œuf est toujours bon, on le met dans de l'eau. Oui. Et s'il flotte, plus très bon. Il est moins blond, moins bon. S'il coule, tout bien. Oui, et s'il flotte, il ne faut pas du tout le manger. Ah, et s'il flotte complètement, il ne faut pas le manger. Oui. Petit bateau sur l'eau. Ça, de toute façon, un œuf qui n'est pas bon, si tu l'ouvres. Oui, mais quand tu fais les œufs durs, il faut regarder quand tu les mets dans ton truc. Si, Oui, c'est ça, mais bon. Donc, conclusion, il ne faut pas qu'il flotte. C'est comme un corps. S'il flotte, c'est qu'il est mort. Voilà. D'autres questions ? Ça dépend s'il est lesté. Oh putain, le con. Oh le con, il s'est lesté. Donc, la date limite d'utilisation optimale, le DLUO. Donc, c'est à consommer de préférence avant le jour, le mois et l'année, ou à consommer de préférence avant fin, mois ou année.
Cette date indique le délai au-delà duquel les quantités gustatives ou nutritionnelles. Un œuf, c'est comme un bœuf. Donc, cette date indique le délai au-delà duquel les quantités gustatives ou nutritionnelles de l'aliment risquent de s'être altérées. Le produit est toujours consommable, mais risque d'être moins bon, en fait. Donc là, on est sur quelque chose que si on le consomme, après cette date-là, on perd des qualités gustatives, mais surtout des qualités nutritionnelles, mais ce n'est pas dangereux pour notre santé. C'est quand tu as marqué de préférence, du coup. Oui. Et l'autre, c'est marqué à consommer jusqu'au. Ok. Donc, c'est les denrées qui sont plus périssables, en fait. Et c'est celles-là, ils ont le droit à la vente, par contre. Les dates limites d'utilisation optimale. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans certains magasins. Voilà, c'est ça, dans des rayons particuliers. Ouais, il y a certains magasins, ou même certains magasins qui font que ça, en fait. Mmh. Et ils te vendent en dehors de la limite. Et les gens, ils vont acheter dans ces magasins-là et ils savent que c'est moins cher en plus. Oui. Mais ils savent que voilà, il faut le manger rapidement. Mike dit oups, non, c'est voler un œuf que c'est voler un bœuf. Ouais, en même temps, va voler un bœuf, toi. Qui vole un œuf, vole un bœuf, on dit. Un bœuf, même s'il est frais, il ne flotte pas. Hein. C'est ça. Je ne pense pas, ouais. J'ai jamais vu voler moi, putain. Non plus. J'ai vu voler. Vous n'avez jamais vu voler des œufs ni des bœufs. Je n'ai jamais vu flotter un bistec. Oh, purée, mais ce n'est pas possible, celle-là. Ce n'est pas possible. Donc, le lot de fabrication. Ah, excusez-moi, pardon. Juste pour les produits dont la durabilité est supérieure à 18 mois, on indique uniquement l'année. Ah, 18 mois, en plus de 18 mois. C'est quoi, pour les conserves, par exemple, pour le riz et les conserves. Oui, c'est ça. Le riz, les pâtes. Oui. Ouais. Donc, le lot de fabrication. L'indication du lot de fabrication permet de regrouper un ensemble de produits alimentaires afin de faciliter leur identification en cas de défaut, de contamination, de réclamation. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les coordonnées du responsable, ce sont le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou encore d'un distributeur ou d'un importateur situé dans l'Union européenne. Ça aussi, c'est pour la traçabilité. Et la mention frais, depuis 1990, le terme frais ne peut être employé que si le produit a été fabriqué depuis moins de 30 jours, qu'il est aussi bon que lors de sa production et qu'il ne peut pas être conservé autrement que par réfrigération ou pasteurisation sans conservateur. Oui, donc c'est quand même assez carré. C'est réglementé. Hein. Mais en plus, vous n'avez pas les mêmes réglementations en France que dans des pays ailleurs. Après, il y a des réglementations européennes. Mais on n'a pas la même réglementation, même dans certains pays qui font partie de l'Europe, en fait. C'est cela. Et c'est pour ça que les personnes, les restaurateurs ou les personnes qui ont des contrôles de l'hygiène, ils vont regarder les frigos et ils vont regarder tout ce qui est, comment c'est ouvert, comment c'est conservé, parce que des fois, ça fait peur. Voilà. Ouais. Quand on regarde certaines choses et certains restaurants, l'arrière des cuisines. Certains reportages à la télé, ça te donne vraiment pas envie d'aller au resto. Oui, c'est ça. Ou alors tu vas visiter la cuisine avant. Quoi. Ouais. Excusez-moi, je peux ouvrir le frigo, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, parce que des fois, ça fait flipper. Ouais. Visite déjà les toilettes. Oui. C'est un bon indicateur. Ouais, bon, les gens sont des porcs aussi. Hein, donc, oui, non, mais quand même. Oui, ouais, mais ben, franchement, il y a des fois, il y a des personnes, tu vois que c'est nettoyé, mais que tu as des gens qui sont vraiment dégueulasses. Quoi. Et là, bah, malheureusement, ben, t'as beau faire, si la personne vient de passer avant toi et que c'est pas la faute du cuistot. Ben, du cuistot ou du gérant du resto. Quoi. Ouais, mais tu le vois par rapport à des fois à les assiettes et les choses comme ça. Ouais, aussi. Le dressage de la table. Tu vois qu'il y a des restaurants qui sont un peu craupec. Oui, c'est ça. Eh bien, on le rajoutera dans la liste, celui-là. Craupec. Oui, c'est pas un mot français, du vrai français. Quoi. Non, c'est du vieux. Mais on le rajoutera dans notre dictionnaire qui ressortira bientôt, ne vous inquiétez pas.
Salut Christine. Salut. Donc, l'estampille vétérinaire ou marque de salubrité. Donc, c'est la preuve du contrôle des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture. Elle est obligatoire pour les produits d'origine animale, donc viande, charcuterie, lait, œufs, poissons, crustacés, etc. Pour les produits européens, la marque de salubrité se présente ainsi. Donc, le pays d'origine avec le F pour la France, par exemple, en fait. C'est l'étiquette que vous voyez à côté. Donc, la provenance. Le 2, c'est le numéro du département d'origine pour les produits français. Le 86. Le 3, c'est pour les produits français, toujours le numéro INSEE renseigne sur la commune. Oui. Le 4, c'est les produits français, le numéro de l'établissement. Le 5, le sigle de l'Union européenne. CEE. Voilà. C'est pourquoi c'était le C devant. C'est en anglais, non, mais c'est, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. C'est... Non, communauté Union européenne. C'est sûr que ce n'était pas en anglais. Économique européenne. Oui. Je sais moi, alors je ne sais plus. Moi, entre les Français et les Anglais, je ne sais plus là. Donc ensuite, il y a la provenance montagne ou appellation montagne. Donc, ces mentions concernent les produits issus des zones de montagne, du coup. La deuxième mention étant réservée à des produits faisant l'objet d'une certification de qualité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le label, l'agriculture biologique, etc. etc. En fait, c'est des alimentations très particulières et très protocolisées. Oui, on en parlera par la suite. C'est ça. Exact. Exact. Et ensuite, nous avons le code barre. Donc, les petites étiquettes zébrées apposées sur les emballages des produits, et vous savez, tut Métacarte tut Métacarte. Donc, c'est celui qu'on n'aime pas beaucoup, mais il y a quand même des chiffres, et ces chiffres ne sont pas mis au hasard. Donc, le code barre européen comprend 3 chiffres. En France, les 2 premiers chiffres indiquent le pays. Donc, par exemple, 3, c'est le pays d'origine. Le code du fabricant en deuxième position, le code du produit en troisième position et en cinquième, la clé de contrôle. La barre de garde, ça s'appelle le 2 et le 3. Oui, et après les 5 chiffres suivants, dessinent le code du fabricant et le distributeur. Puis les 5 autres chiffres identifient le produit. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et les 2 forment la barre de garde. Et ça, c'est ce que vous retrouvez sur en dessous du code barre à côté sur l'image. Moi, je croyais qu'ils avaient mis des chiffres comme ça. Ouais, bah ouais, je sais. Bah non. Ah, oui, bah... mais non, mais du coup, depuis que j'ai vu ça, je sais que non. Mais sur le coup, je me disais non, oui. Non, mais puis en plus, c'est tellement précis. Ouais. C'est quand même. Moi, j'étais dans les consciences, tu sais. dans l'innocence. Voici. Un étiquetage alimentaire. Ben, c'est le tableau que je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais. Donc, pour 100 grammes, pour ce plat, la valeur nutritionnelle moyenne, donc la catégorie. Et ensuite, donc, avec tous les nutriments. Hop là ! Donc, ça, c'est l'étiquetage nutritionnel. Oui. Donc, ça concerne toutes les informations qui apparaissent sur l'étiquette et qui est relative à la valeur énergétique et aux nutriments. C'est ce qui est marqué, oui, peut-être. Oui, oui, vas-y. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Il n'y a pas de souci. Elles sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits, parfois en plus par portion. Donc, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Donc, dans une alimentation dite équilibrée, l'énergie doit être apportée par 3 catégories. Les glucides, les lipides et les protéines. Donc, dans une alimentation dite équilibrée, l'énergie doit être apportée par les glucides, comme elle vous disait le lot, donc les fibres. Donc, il faut 50% à peu près de l'apport énergétique total, qui sont la principale source d'énergie pour l'organisme. Les lipides, environ 35% de l'apport énergie total, assurant le stockage de l'énergie essentielle au bon fonctionnement des cellules, et les protéines, environ 15%
de l'apport énergétique total essentiel à la construction et à l'entretien de l'organisme. D'un point de vue pratique, les besoins journaliers en glucides, lipides et protéines sont les suivants, 200 kcal, donc 250 g, 78 g et 75 g. Donc ça fait 250 g de glucides, 78 g de lipides, 75 g de protéines. Donc nous avons les... Non, il faut rester sur ça. Sur les glucides, donc on peut classer en trois catégories les glucides. Alors, les glucides, c'est ce qu'on vous disait, c'était le choix des aliments glucidiques est important parce que c'est là qu'on a l'index glycémique. Donc, IG. Et c'est ça qu'on a le plus besoin vraiment pour être en forme et avoir de l'énergie. Et sur les personnes qui sont diabétiques, ça, c'est encore plus important. Mm. Donc, vous avez l'indice glycémique faible, moyen, qui peuvent être privilégiés au profit des aliments d'indice glycémique élevé. Donc, on a les glucides complexes ou amidons, comme les pommes de terre, le pain, les légumes secs, les céréales et les pâtes. Les glucides simples ou sucres, comme le miel, les fruits frais, le lait, les produits laitiers, les sodas et la bière. Et après, c'est catégorisé avec les édulcorants caloriques ou acaloriques, comme le sorbitol, le mannitol, l'aspartame, la saccharine et l'acésulfame de potassium. Non, mais en plus, il y a des noms, laisse tomber, tu ne retiens pas, c'est pas possible. C'est quoi l'acésulfame de potassium, c'est un sucre? Ça doit être comme un édulcorant. Comment on appelle ça? Amisisulfate. De toute façon, tout acésulfame de potassium. Ça va dans l'édulcorant calorique ou acalorique. Ça va avec le xylitol, le mannitol, l'aspartame, la saccharine. Donc c'est le sel de potassium. Et c'est le faux sel, en fait, qu'on doit... Oui, je pense. Est-ce que ce n'est pas en pharmacie? Il possède un pouvoir sucrant en sang à 200 fois plus élevé que le sucre. Mais c'est comme le... Comment ça s'appelle, là? Le... Pas le sirop d'agave, le... C'est la très voisine de stevia, de voisine très voisine de celle de la saccharine. C'est la structure chimique. Soluble dans l'eau. C'est comme des édulcorants. Ah non, c'est pas le sel, c'est pas le sodium. Mais il existe du faux sel. Mais c'est oui. Le sel qui a moins de sodium. Pour les haltères. Ah. Les haltères. qui a moins de sodium. Oui, il suffit de moins salé. Hein. Mais non. Oui, mais non, mais pour les personnes qui ont des personnes qui ont vraiment des problématiques et tu achètes du sel léger en sodium. Ça s'appelle du sel sans sel. Oui. C'est du sel sans sel. Voilà. Mais je crois que maintenant ils en vendent en supermarché. Oui. Ouais. Et noir. Ils en vendent en supermarché. C'est fatigant. Donc, remarque sur les fibres, dans les produits alimentaires contenant trop d'ingrédients, pas plus de 3 ou 4, pour donner une limite. Plus la liste est longue et moins c'est bon. Plus il y a d'additifs en tout genre, généralement, l'ingrédient doit être l'aliment. Un aliment est unique et non une combinaison. C'est le mal de l'industrie agroalimentaire de nos jours. Lui, dans l'article, il nous invitait à lire deux articles sur la junk food et sur mal manger. En fait. Ça, c'est pour les plats qu'on... Composés, les plats fabriqués. Industriels, c'est ça. Ou industriels, mais après, dans tes propres plats, selon ce que tu utilises, quand même, tu utilises quand même des conservateurs, des choses comme ça, selon ce que tu mets comme ingrédients. Quoi. Si tu ne prends pas tout naturel, si tu ne fais pas, par exemple, ton coulis de tomate et que tu prends du coulis de tomate avec des conservateurs à l'intérieur, mais dans tous les cas, tu utilises quand même des conservateurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là où il faut faire attention et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder. Parce que, comme disait Annie tout à l'heure, la plupart du temps, on va faire nos courses. Et on a nos produits, entre parenthèses, habituels. Et justement, pour nous changer nos habitudes, ça peut être parfois compliqué. Et c'est pour ça que, dès le début, regarder ce qu'on y trouve à l'intérieur, ça peut être intéressant pour pouvoir prendre le moins nocif possible. En fait. Donc, concernant les informations sur le sucre, quand c'est marqué sans sucre, dites-vous que l'aliment est très peu sucré. Il ne contient pas plus de 0,5 g de sucre pour 100 g
ou 100 ml de produit, mais ça ne veut pas dire qu'il y a zéro sucre. Sans sucre ajouté. Oui. Allégé en sucre. Donc, quand il y a marqué allégé en sucre, ça change aussi. Ça veut dire qu'il contient au minimum 30% de sucre, à moins qu'un produit similaire. Cela ne signifie pas que le produit est sucré, mais qu'il peut constituer une alternative intéressante à la consommation des produits standards. Et c'est pour ça que pour les diabétiques, on dit aussi faites attention aux produits où il y a marqué justement allégé en sucre. Oui. Et qu'il vaut mieux avoir marqué sans sucre, en fait. Et il y a marqué sans sucre, mais après, il y a le sans sucre ajouté. Donc, le produit n'a pas été additionné de sucre ou de matière sucrante lors de la fabrication, mais il peut contenir du sucre naturel présent dans les produits qui ont servi à préparer jus de fruits, compote de pomme. Compote de pomme, oui. Donc, il y a trois choses. Il y a sans sucre, il y a allégé en sucre et sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté. Donc, pour les matières grasses, quand il y a marqué sans matière grasse, l'aliment doit contenir moins de 0,5% de lipides pour 100 g ou 100 ml de produit, ce qui est effectivement très peu gras. Allégé en matière grasse, il contient au minimum 30% de matière grasse, à moins qu'un produit similaire. Et après, il y a marqué pauvre en matière grasse, l'aliment ne contient pas plus de 3 g de lipides pour 100 g ou 1,5 g pour 100 ml de produit. Et après, les informations sur le sel, à teneur réduite en sel ou en sodium, il contient au minimum 25% de sel à moins qu'un produit similaire. Il est potentiellement toujours salé, mais moins que la majorité des produits équivalents, en fait. Et ça, quand on discutait du sel sans sel là, tout à l'heure, le sel sans sel, déjà, il est recommandé pour vraiment une partie particulière de personnes qui ont vraiment besoin de ce sel-là. Mais par contre, c'était l'angiologue qui disait ça, que j'avais vu, et qui disait, mais à un moment donné, si vous mettez la salière aussi, c'est pas ouf non plus, parce qu'il y a toujours des choses aussi qui ne sont pas forcément très bonnes à l'intérieur, vu que c'est dû transformer aussi. Et donc, du coup, il disait, voilà, il ne faut pas non plus en abuser parce que dans tous les cas, ça ne salera pas. Donc, ça ne sert à rien d'en mettre. Et de toute façon, en plus de ça, sur le sel, on sait qu'on est des trop gros consommateurs de sel. Alors là, je ne vous dirai pas aujourd'hui parce que je ne me rappelle plus, je vous dirai une bêtise. Mais en moyenne, on consomme 6 fois plus, je crois, de sel. Je crois que c'est... l'autre va chercher. Mais normalement, les produits et encore plus si vous achetez des plats préparés ou même les produits que vous faites, les produits sont assez salés et il ne faudrait pas saler en fait. Coucou Monsieur Conchiro. Coucou. Tonto, je t'appelle après. Je t'appelle après. J'ai été fille de chanson. Fais la construction. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac, 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 risque lié, recommandation nutritionnelle, diminution de la peur, qui malgré tout est suffisante. Mais tu peux tricher avec le sel en mettant des épices hein, aussi. Oui, mais on consomme, normalement, il ne faudrait pas saler parce qu'on consomme trop de sel. Bien en fait. Sûr. Et les produits en contiennent déjà. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, une sauce de salade, tu mets de la moutarde qui est salée, moi je ne rajoute jamais de sel. Ah oui. Tu vois. Donc là, depuis entre 1999 et 2007, les apports moyens en sel de la population adulte ont diminué en moyenne de 5,2%. Donc ça, c'est suite justement quand ils se sont rendus compte que le sel s'est détruisé. Par contre, ils disent que dans la dernière enquête, donc sur les aliments en France, le consommateur homme consomme 8,7 grammes par jour et la femme 6,7 grammes par jour. Et les recommandations dans le PNNS3, du coup, oui. Fixer l'objectif de diminution de la consommation de sel de la population de 8 grammes par jour chez l'homme et de 6,5 grammes chez la femme. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal. Hein. Mais parce qu'en fait, ils disent que voilà, il y a 1 à 2% de grammes de sel par jour qui est dû au salage des plats, uniquement au salage des plats et à l'eau de cuisson. Oui.
Mais c'est pour ça que, et en plus de ça, le sel, ça amène des maladies cardiovasculaires, Ah oui. parce que ça fait monter La l'urée, tension. la tension, et ça entraîne plein de problèmes autres. C'est pas bon pour les haltères. C'est pas bon pour les haltères. Putain. Mais très très bête. Je viens d'apprendre, excusez-moi, j'étais en train de lire, c'est pour la culture générale. Je croyais que le plus grand producteur français enfin, de sel, c'était la France. Pas du tout, on est neuvième. Producteur ou consommateur? Producteur. Ah oui, non, On est neuvième. non. Le plus grand, c'est qui? C'est... La Chine. Chine, États-Unis, Allemagne, Inde, Canada et France sont neuvième. Ouais, en Chine, en plus, ils utilisent du glutamate. Ouais. C'est vraiment un produit dégueulasse, ça. Ah, fort bien. Ouais. Voilà, c'était l'information culturelle, ouais, bien. Culture Si, générale. culture générale. Si, ça marchait. Bisous, Claudette! Bisous. Les labels et la certification. Donc, nous avons ces petits labels que vous retrouvez sur nos produits favoris ou pas. D'accord? Alors, ça me dit que je recherche. On peut faire dans le désordre, on s'en fout. Hein. Oui. Donc, nous avons Là où c'est. la OC. Payez pas. Appellation d'origine contrôlée garantit une Celui-ci, spécificité de non? Non, l'aliment c'est l'AOP, ça. Lui, là où l'aliment c'est, il n'y est pas. lié à un terroir, pardon, et un savoir-faire local. Le label AOC a été officialisé en 1935 dans le domaine des vins, des eaux-de-vie. Depuis les années 1960, des produits laitiers en bénéficient et depuis 1990, toutes les catégories d'aliments peuvent y prétendre. L'AOC identifie un produit typique et spécifique lié à l'origine, expression d'un lien intime entre producteur et terroir, le tout mis en œuvre et perpétué par des hommes doués d'un savoir-faire. C'est joliment dit. Oui. Donc après, nous avons l'Institut national des appellations d'origine, assure la bonne application justement de l'AOC. Au niveau européen, il existe aussi des indications géographiques protégées, appellation d'origine Donc, protégée, AOP, ce AOP. qu'on a là. Donc après, nous avons le Label label rouge. rouge. Alors, le label rouge, A été fait en 96. donc il garantit la qualité supérieure du produit, cette qualité gustative. Et le résultat d'exigences sévères et contrôlées à tous les stades de production, d'élaboration et commercialisation du produit. C'est un label national. Mais ça, ils ont des cahiers des charges qui sont vraiment particuliers et des visites régulières quand même Oui. Ah ben oui, surtout et en c'est plus. très réglementé, Mais hein. c'est surtout, oui, parce que c'est sur toute la chaîne, Après. c'est-à-dire que ça part de la bête, de la naissance de la Et bête, oui, bien sûr. à la nourriture, à l'eau, à l'utilisation des machines. Oui, je m'y connais, j'adore la ferme. Lolo, t'as la ferme. Lolo, t'as la ferme, on ira dans les quatre têtes, juste pour voir ce qui se passe. Donc après, vous avez l'agriculture biologique. Ici. Donc elle s'applique à des produits dont au moins 95% des ingrédients sont issus d'un mode de production qui utilise essentiellement des substances non synthétiques pour l'amélioration du sol, la lutte contre les parasites et les maladies, y compris pour les semences et le matériel de reproduction. Dès 1980, la France a mis en place des règles pour définir et protéger l'agriculture biologique. En 1991, des règles communes strictes de production et de contrôle ont été adoptées par l'Union européenne. Tous les aliments sont susceptibles de bénéficier du logo AB, et notamment les pains, les céréales, le lait, les fromages, les fruits et les légumes. Faites tout ce qui se mange, quoi. Oui. Faites de naturel, du Oui. coup. Et après, vous avez l'élevage biologique, il s'inspire du même principe, tant au niveau des conditions d'alimentation et des soins qu'à celui des conditions matérielles de l'élevage, en fait. C'est ce que nous disait la fermière d'à côté. Jean-Michel Bouze, bonsoir. Donc après, nous avons la certification de conformité.
Elle atteste que le produit possède des qualités ou suit des règles de fabrication particulières, strictement contrôlées. Après, nous avons atout certifié qualité. C'est la garantie d'une qualité régulière et distincte des produits courants mis en place en 1990. C'est le plus récent des signes officiels de qualité parmi les produits qui ont déjà obtenu une certification de conformité. Il y a le jambon cuit supérieur sans polyphosphate, les viandes identifiées de l'élevage ou de la commercialisation avec une maturation garantie, les fruits cueillis à maturité, ainsi que les conditions de fraîcheur des salades prêtes à l'emploi. Je ne connaissais pas cette étiquette. La bleue. C'est nouveau. Ouais. Après, vous avez les points verts. C'est celui-là. Il atteste que le fabricant participe à un programme de subvention des collectes sélectives et des tris de déchets d'emballage en vue du recyclage. Ah, donc là, c'est plus sur le... on est sur l'éco-emballage. En fait. C'est plus sur le après. Oui. Enfin, le pendant et le après, parce qu'ils disent que l'aliment peut être touché aussi par l'emballage et par ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. Sûr. Ce qui est logique. Ah ouais. Du plastique. Hein. Ah voilà, c'est ça. Sur le sodium, excusez-moi, je reviens à ça. Sur le sodium, on est les aliments ayant une valeur quotidienne de 5% et moins sont à privilégier en fait sur la quantité journalière. De sodium, du coup. Oui. Donc de sel. Sur le sel. Donc moins de 5. Oui. Mais si tu te dis que la consommation visée, c'est 8 pour un homme et 6-5 pour une femme. Ben oui, forcément, tu es rapidement à cette valeur-là, ne serait-ce qu'un un repas, en fait. Donc, si tu manges un repas à 5% déjà... C'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû, sur le PNNS 4, là, ils ont... Je pense qu'ils ont revu ils les ont chiffres. Revu les chiffres, en fait. Et ensuite, nous avons le fameux Nutri-Score. Donc, il y a un système d'étiquetage aussi qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est un logo apposé en face avant des emballages qui informe sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire. Donc, c'est fixé. Ça, ça a été fait tard. Oui. Il n'y a pas très longtemps que ça a été mis en place. Je connaissais sur les appareils ménagers. Ah oui, sur l'énergie, ça existait déjà depuis longtemps, ça. Là, mais pour l'alimentation, je ne connaissais pas. 2017. Donc, 2017, c'était hier. Et en plus de ça, maintenant, même, vous voyez, sur les publicités, on vous met en avant le Nutri-Score, en fait. Donc, c'est basé sur une échelle de 5 couleurs, du vert foncé au orange foncé. Vous comprendrez bien que... Ben, au plus vous êtes vers le rouge, au plus ben, c'est pas forcément des belles de la bonne qualité nutritionnelle. Je voulais poser une question. Par exemple, tu achètes un produit label rouge, c'est forcément Nutrice. Pas forcément. Ben non, parce que ça, c'est sur la qualité nutritionnelle en fait, des produits. Tu peux acheter un produit label rouge, ça veut dire que c'est un bon produit. Et par contre, nutritivement, c'est peut-être trop gras ou c'est peut-être... Un paquet de cacahuètes qui peut être label rouge. Ouais. Voilà. Non, je donne un exemple. Oui, oui. D'accord. Mais après, c'est sur le Nutri-Score. Oui. D'accord. Voilà, et ça aussi, c'est... Donc, il y a un règlement d'usage et il y a toute une démarche à faire pour obtenir, en fait, le Nutri-Score par le ministère ou par l'ANSES, je pense. Sur la gestion de la marque. Voilà, donc là, c'est juste qui s'inscrit dans le plan national nutrition santé. Mais ça, c'est bizarre parce que je ne me rappelle plus quelle publicité c'était avec toi que j'étais l'autre jour. Quand on regardait une publicité, et c'était un truc qui avait l'air quand même pas mal gras et pas mal sucré. Et Nutri-Score A, c'était moi. Ah, c'était avec toi. Je ne me rappelle plus avec qui c'était. Mais on l'avait déjà fait la remarque quand il y avait Sissi. Oui. Donc, si c'est
Si tu dis que pour avoir cette appellation-là, il faut faire des démarches particulières. Apparemment, oui. Apparemment, c'est à demander. Voilà, lancement, modalité. Mettre en ligne un espace pour tout savoir sur les modalités. Donc, apparemment. Oui, c'est une évaluation en conditions réelles. D'accord. Eh bien, alors, c'est que ça encore doit être... Va savoir. Un formulaire d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il y a? Une chambre. Ah. Mais à part si tu les attends avec un balai, je pense qu'ils seront toujours là, ceux-là. Mais... Ah, mais ça fait pas longtemps qu'on les voit comme ça, les chats. Ils... Si, il y en a de plus en plus. Hein. Ah ouais. Et donc, eux, j'ai jamais vu de produit fait. Je pense que le mec qui sort Nutri-Score E, il va pas aller chercher à... Je ne sais pas s'il a demandé le Nutri-Score. Le Nutri-Score, vous voulez que je regarde s'ils peuvent nous dire, Google, si, combien il y aurait de produits à peu près en eux. Comment j'ai pris ça, moi, Google? Nombre de produits Nutri-Score E. Je pense qu'on voit C, jusqu'à C, en fait. Oh, D aussi. Ah oui? Mais tu vois plus abaisser. Si... Ouais. Mais ils mettent ça en avant. Hein. Bah, j'ai envie de te dire, si tu as un E, enfin, je ne sais pas, moi. Ouais, mais tu vois, par exemple, des gâteaux, des biscuits. Ouais, mais ils ne le mettent pas sur leur boîte, en fait. Ouais, dans ce cas-là, ils ne demanderaient pas le Nutri-Score, enfin, je ne sais pas, moi. Alors, tous les produits l'ont, le Nutri-Score? Non. Normalement, non. Non, non. C'est le fabricant qui le demande ou non, en fait. Ah oui. Un engagement progressif des entreprises pour atteindre 50% des parts de marché après 3 ans d'engagement de Nutri-Score. Ils disent que E, c'est 9,6%. D'accord. Voilà. Le A, 31,7%, B, 18,2%, C, 19,6%, D, 20,9%. Et E, 9,6%. Ah oui, il y en a quand même pas mal. Donc 20% en D quand même. Et quasiment 10% en E, ça fait pas mal aussi. Hein. Ben oui, quand tu regardes que B c'est 18 et C c'est 19. Oui, mais tout ce qui est gras et sucré, de toute façon, ça tape dans le. Ça tape dans le B. Ça tape dans le C. Dans la rouge, ou dans le B. Ouais. C'est ça. Côté rouge, quoi. 415 entreprises étaient désormais engagées en juillet 2020. Que 415 ans? Groupe ou entre... Entreprise, donc c'est des gros groupes. 50% des parts de marché en volume de vente. Ouais. Mais il y en a quand même pas mal, alors. Hein. Ben oui, visiblement. Écoute. 9 Français sur 10 connaissent le Nutri-Score. Oui, mais après, ça dépend ce qu'on en fait aussi. Hein. On lira ce petit truc-là. Hein. On fera un petit récap. Bon, je vais me mettre à rire, ça va pas être... Donc voilà, donc conclusion, c'est que c'est quelque chose qui commence à être regardé. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui devrait être plus interprété. Enfin, on devrait plus apprendre à interpréter, par contre. Oui. Parce que bon, moi personnellement, je vois du dé, bon, mais je me dis, oui, mais j'ai envie de ça, ben voilà, je m'en fous. Donc le problème, c'est que si après on n'est pas sensibilisé à ce qu'il y a derrière ces lettres. C'est ça. C'est comme tout ce qu'ils nous mettent maintenant sur les emballages, il y a de plus en plus de choses, en fait. Oui, mais c'est parce que c'est les trompe-l'œil, comme dans les magasins, comment ils installent les gâteaux, comment ils installent les têtes de gondole, les choses comme ça. Tout est calculé en fait pour attirer le regard sur les choses positives du produit. Oui, sur les choses positives pour eux. Voilà, sur le packaging et les choses comme ça aussi. Ouais. Donc, il y en a quand même, enfin pour moi, il y en a très peu d'entreprises ou même de groupes qui ont demandé à ça parce que ça met en avant la qualité de leurs produits, en fait. Mais 50%, forcément, ça ne fait pas... Enfin, 50% des entreprises productives, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Ouais. Ils ne sont pas jetés dessus. Hein. Bah, ouais. Déjà, je pense que, justement, avec le nombre de pathologies qui augmentaient, les médecins qui essayent de plus en plus sensibiliser les personnes à regarder, justement, les étiquettes... Ben, en fait, déjà, je pense qu'il y en a certains qui ont pris une baffe. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, eux, ils ne sont peut-être pas allés chercher encore plus de problèmes. Quoi. Oui. C'était mon avis. Donc, 5 avantages à lire les étiquettes.
Donc, c'est de comparer les produits plus facilement à portions égales, choisir les propres portions au lieu de vous fier à la portion proposée par le marchand. Oui, ça, c'est pareil. Je ne sais plus sur quel truc il disait, oui, manger tant de cet aliment, en fait, mais c'était énorme. Moi, je ne pouvais pas manger tout ça, tu vois. Et c'était, donc, voilà, comme disait Annick tout à l'heure, fiez-vous à la pleine conscience et plus à votre... à la fin, la satiété, tout ça, que ce qui a marqué sur les boîtes. Il ne veut toujours pas. Il y a Claudette qui dit, on peut s'y fier lorsque je fais mes achats sur rue, j'en tiens compte. Oui, mais parce que justement, tu sais ce que c'est et que tu t'y fies parce que tu sais ce que tu cherches derrière. Moi, quand je regarde une image, ben, l'image, je l'interprète avec ce que je sais de la vie. Et surtout, sur le Nutri-Score, je viens de retrouver quelque chose là. Donc, c'était ce que disait Loulotte, A, c'est meilleure qualité nutritionnelle et E, moins bonne qualité nutritionnelle. Pour comprendre pour la compréhension de l'information nutritionnelle pour le consommateur, le Nutri-Score prend en compte pour 100 g de produits la teneur en nutriments et aliments à favoriser, les fibres, les protéines, les produits et les légumes, et nutriments à limiter, énergie, acides gras saturés, sel et sucre. Après le calcul, le score obtenu pour un produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Donc l'interprétation n'est pas forcément bonne quand on cherche à se dire oui, ben, c'est un bon aliment parce qu'il y a marqué A en fait. Ça dépend ce que tu cherches derrière ce produit-là. C'est ça. Oui, oui. On rétablit la vérité. Donc après, ils disent qu'associer à des lettres A et E pour optimiser l'accessibilité et la compréhension du consommateur. C'est pour les enfants aussi. Et le logo est attribué sur la base de score prenant en compte 100 grammes du produit. Donc, c'est un calcul en fait qui est fait. Obtenu pour les produits permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Donc, après, il faut savoir aussi, c'est ce que tu disais, savoir ce que tu recherches dans le produit, en fait. Donc, ensuite, pourquoi lire ces étiquettes? C'est aussi comprendre la valeur nutritionnelle des aliments qu'on mange. C'est aussi augmenter ou réduire la quantité de certains nutriments dans votre alimentation, donc surtout quand il y a des soucis de santé. L'oméga-3. C'est quoi? Je suis Morgane de toi? Oui. Stéphanie sort de ce corps. Je vais créer une chanson sur l'oméga 3. L'oméga 3, c'est tout que tu viens pour que Stéphanie ça. Et donc, réduire la consommation de sucre ajouté ou de sodium, c'est aussi faire des choix plus adaptés à notre santé et savoir faire la différence entre les allégations nutritionnelles valides et le marketing alimentaire. Donc ça, c'est ce qu'on disait sur l'utilisation justement de visuels plus attractifs que certaines autres. Alors que ça ne veut rien dire, en fait. Oui. Comme les fruits de lait, on voyait à midi aux informations que dans les écoles maintenant d'agriculture, ils faisaient ramasser dans je ne sais plus où, là. C'est pas la Creuse, je ne sais plus où. Si, je crois. Si. Non, la Creuse, ce n'était pas les nouveaux commerces. Ce n'est pas les choux, c'est quand ils ramassaient les choux. Oui, mais ce n'était pas la Creuse, je crois. Ah ouais? La Creuse, c'était après. Donc, il faisait ramasser les enfants qui étaient à l'école d'agriculture et que ça sensibilisait les enfants justement au zéro gaspille et à trouver des solutions quand justement il y a des fruits de lait parce que... pas assez gros, pas au calibre et d'en faire quelque chose et non pas de brûler la terre parce que vous avez rien de bon. Parce que c'est bon. Je regarde la lettre et la composition de ce que je choisis. Bon. Donc, tu fais la lecture des étiquettes. Et coucou Karine. Je me suis percée la côte. Donc, comprendre les étiquettes alimentaires. C'est j'évite l'huile de palme, de palmiste partiellement hydrogénée, végétale, etc., etc. Sirop de glucose, fructose, sirop de sucre inverti. Maltodextrine, aspartame sucralose, amidon modifié, amidon transformé, blanc ou jaune d'œuf en poudre, lait en poudre, protéines de lait, etc., etc. Et donc, je privilégie l'huile d'olive, de colza, de tournesol, le beurre, le sucre de canne, le miel, la farine, les œufs, les laits et le lait végétal.
C'est quoi le sucre un quoi inverti. Je vais regarder ça. Google est mon ami. Sirop de sucre inverti. Est un mélange équimolaire de glucose et de fructose obtenu par hydrolyse de saccharose. Allez, je vous laisse avec ça. Hein. D'accord. Alors, attendez. Une définition plus simple, peut-être. À proportion égale entre le sirop de glucose et le sirop de fructose. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Tu vois, mon jardin, c'est très bien, mon jardin, qui m'explique un peu mieux celui-là. Il faut mieux l'éviter, c'est ça. Oui. Oui. Ah, le sucre, alors écoutez ça, le sucre inverti est un donc le miel est un exemple naturel. Ah oui, mais le miel c'est un bon sucre. Mais c'est un bon sucre inverti. Mais c'est un sucre inverti. Oui, parce qu'il est naturel. D'accord. Celui-là. Et l'autre, c'est un mélange de saccharose. Oui, mais, et de fructose. Mais il s'appelle aussi sucre inverti. Oui, mais tu as du bon et du mauvais. Voilà, comme c'est ça, comme tous les sucres. Ouais. Il a un pouvoir sucrant plus fort que le sucre en poudre. Quoi, le miel ? Oui, le sucre inverti, peu importe lequel. Et il conserve mieux le moelleux des aliments. Il absorbe l'humidité, reste mou et lisse. Et du coup, évite le dessèchement. C'est pour ça qu'on nous dit de nous foutre du miel partout sur la tronche pour éviter de dessécher. Que de sécher. C'est sûr. Le miel, c'est un pouvoir glucidique. Plus bas. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc il est souvent utilisé en pâtisserie, confiserie. Voilà. Je n'ai que ça à dire. Et ça permet de. Donc il vit mieux la congélation. Oui, mais c'est pas besoin de manger un pot de miel par jour non plus. Hein. Non, c'est pas ce qui est dit. Voilà. Effectivement. Parce que ça a un pouvoir sucrant quand même. Attention toutefois à ne pas en abuser, le sucre inverti. Ou plutôt le fructose qu'il convient, a un effet laxatif. Allez, c'est peut-être ça qu'il a, Lucas. Je ne sais pas. Il va falloir discuter du sucre inverti avec lui. Mais tout ce qui est aspartame, tout ce qui est ça, c'est ça, un effet laxatif. Alors, quand j'étais, j'avais pas plus le droit de manger des bonbons, j'ai acheté des bonbons sans sucre et je les mangeais comme si je mangeais des bonbons avec sucre. Et après, je te garantis que j'avais. Ça poussait au comptoir. Hein. Il y avait du monde au comptoir. C'est parfait. On finira sur cette belle phrase. Écoutez, parce que. Je suis en train de penser. Les ricolas. Non, le stick qu'on prend là le matin avec le petit déjeuner. Ok, stick. Le probiol. Probiologue. C'est sucré à l'aspartame, c'est sucré au faux sucre. Ah oui, c'est ça qui fait bien. Tous les matins, après mon petit déjeuner, comme je prends ça après le petit déjeuner, c'est direct. Ah, et ce matin, j'en ai pas pris. Et tu n'as pas eu ? Non. Ah oui, mais ça, c'est. Mais j'ai jamais, tu vois, je n'avais jamais fait. Ah, mais moi, je te le dis. Hein. Ah ouais. Hier, il parlait des édulcorants, ils étaient dangereux. Est-ce que la stevia est naturelle et fiable ? C'est naturel, oui, parce que c'est une plante, mais c'est pas bon. Hein. Moi, je dirais qu'il vaut mieux sucrer avec du vrai sucre. Oui, en mettre moins. Voilà, que tous ces trucs comme ça, sont des dérivés. Parce qu'en plus, tous ces dérivés de sucre, enfin pour moi, personnellement, ça laisse un goût sucré dans la bouche en permanence. Mais de toute façon, l'addiction et la dépendance, elle se fait autant à l'aspartame qu'au sirop d'agave, sucre, tout ça. Donc la dépendance à tout ça, elle n'est pas bonne. Hein. Oui, mais en plus, c'est désagréable. Ah oui, c'est fort. Parce que ça donne... moi, l'aspartame, j'avais essayé la stevia, j'ai essayé en me disant, bon... C'est naturel, ça ne doit pas être mauvais, mais c'est pareil. Hein. La stevia, c'est liquide. Ça dépend. Ça existe en poudre. Le plus naturel possible, c'est en poudre, comme du sucre.
comme non, 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 ça, ça, c'est une poudre, c'est une verte. Poudre... Une poudre verte, la stevia. Ah ouais, c'est non, blanche. Moi, oui, moi, elle était blanche. Là. Ah oui, elle était blanche. Hein. Parce oui, que moi, j'en ai, moi, j'en avais acheté, c'était de la verte, mais c'était vraiment. Ça faisait comme du thé, si tu veux. Tu vois. Non, mais il vaut mieux sucrer. Voilà. Merci beaucoup, très intéressant. Bon week-end, nous dit Stéphanie. Ben, écoutez, on vous fait des bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Sur Balance ton live, bien sûr, comme d'habitude, lundi, mercredi, non, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Voilà, voilà. Donc, ben, passez un bon week-end. On vous souhaite un bon week-end. Ben, merci. Et beaucoup. Il va faire beau ce week-end, donc profitez. Ouais, ouais. Mettez-vous pour aller peu. Faire des balades, pour aller ouais. marcher. Et prenez de la vitamine D. Oui. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.